On va commencer cette transmission avec un replay de l'an passé. Du coup, est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment? L'an passé, c'était un peu mitigé à l'arrivée. Non, c'était un très bon souvenir. Comme je dis, tout le monde voulait que je pleure à l'arrivée, mais c'était pas le cas. Non, j'ai pris beaucoup de plaisir dans l'Amstel l'an passé. Et faire cette dernière ligne droite pour la gagne, c'est sûr que j'ai pas pris la meilleure décision pour gagner, parce que j'ai fait deuxième, mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir sur cette Amstel 2022, donc j'espère en prendre autant cette année. Du coup, si on a un sprint à deux de nouveau, ou même un peu plus qu'à deux, on lance un peu plus loin, c'est ça? On attend un peu plus? On prend d'autres décisions, parce que ça dépend de l'adversité, bien sûr, ça dépend de la difficulté de la course avant. Voilà, il y a pas mal de paramètres qui font que, donc ça sera à moi de prendre les bonnes décisions dans ce final. Et quel type de course vous pensez qu'on va avoir? Parce qu'on a Pogacar aujourd'hui. Pour moi, ça va être une course, je pense, dure. Il a tout intérêt à durcir la course le plus possible. Donc, je pense que c'est ce qu'il va faire, ce qu'il va réussir à faire avec une équipe qui est tout autour de lui et qui est très forte physiquement. Donc, je pense qu'on va avoir une Amstel dure physiquement cette année encore. Est-ce qu'il y a un moyen de ne pas subir sa loi? De ne pas subir sa loi, je ne suis pas certain. En tout cas, de changer ses plans, c'est peut-être possible. Et en tout cas, on voit le final de l'Amstel qui peut être souvent tactique. Et j'espère que ça va l'être pour être en supériorité numérique face à Tadej. Et surtout, qu'il ait beaucoup d'adversaires à regarder et pas qu'un. Ça serait tout à mon avantage. Du coup, la bonne forme de Dorian Godon arrive pile au bon moment. Oui, il y a bien sûr Dorian, mais je pense aussi aux adversaires en général. Je pense que si Tadej a 6 personnes à surveiller ou s'il en a que 2, c'est pas la même stratégie pour lui. Donc, ça serait plus à mon avantage qu'il y en ait 6 ou 8 à contrôler que 1. Merci Benoît. Bonne chance à tous.